Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo Brawl Stars et je suis trop content. En fait, en vrai, ils sont vraiment hyper actifs. Il y a un perso qui sort tous les mois. J'ai hâte de le découvrir. Pour le coup, je me suis fait spoil de rien. C'est vrai que dans ma vie, c'est passé beaucoup de choses là. Avec les enfants, je me suis beaucoup déplacé pour le travail. Avec l'histoire de mon doigt d'ailleurs. Mon doigt, il a quasi plus rien, frère. J'ai une cicatrice et tout. Mais ça y est, j'ai de nouveau la maniabilité, etc. Et je sais qu'il y a eu le Brawl Talk avec énormément de nouveautés. Il y a eu la mise à jour avec les rangs qui sont plus les mêmes. Il y a des coffres spéciaux et tout. Je me suis fait spoil de rien. Et pourquoi? Parce que la prochaine vidéo Brawl Stars, donc celle de lundi, les amis, je la fais avec Periado. Vous le connaissez tous, Periado, si vous suivez Brawl Stars. C'est, on va dire, c'est le présentateur du JT de 20h. C'est celui qui nous annonce toutes les nouveautés du jeu et qui nous explique quand on n'a pas le temps de regarder, etc. On va lancer le jeu pour tester le nouveau perso. Et puis la prochaine session, du coup, on la fera avec Periado. Avant toute chose, on n'oublie pas, comme d'habitude, les petits pouces, les abonnements et les commentaires. Je lance le jeu. Le petit bruit, c'est mardi. Je sais pas du tout comment elle attaque, ce qu'elle fait, etc. Mais vraiment, je sais pas du tout. Le jeu, je vous avoue, hein, pour être honnête, je l'ai pas relancé depuis longtemps avec tout, vraiment tout ce qui s'est passé, etc. Ma vie, le dernier mois, je l'ai pas vu passer. Voilà. J'ai pas vraiment eu le temps de jouer, etc. Ah, j'ai récupéré des trucs. Tac. Et du coup, je suis bien content qu'il y ait toute cette nouveauté pour repimenter. Toi, quand tu te remets dans un truc, il y a plein de trucs à découvrir, t'es re à fond dedans, tu vois. Hop, on récupère ça. Bon, c'est que des tags, en vrai, je n'utilise jamais. Bon. Attends, mais il y en a combien des nouveaux tags? C'est les images de profil, pareil. Enfin, fout un peu. On va pas dire non, hein. Bon, c'est toujours un petit truc en plus. Alors, du coup, le nouveau perso, les amis, il est juste là. C'est Juju. Putain, il y a Juju Fit 4, les amis. Excellent. Voilà Juju, donc on va acheter Juju. Hop, on achète ça, 19,99€, moins cher que les derniers persos en vrai. Hein. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut. Hein. Juju est la gérante du magasin de curiosité et sa poupée vaudou préférée, Gris-Gris, la suit partout. Ah, sa poupée vaudou préférée, Gris-Gris, la suit partout, ok. Certes, Juju... Ok, j'ai pas eu le temps de lire. Ok, il y a des trucs à débloquer. On va récupérer les pièces. Donc, il est sorti aujourd'hui, le perso. Hein. Ok, tu débloques direct tout, en fait. Hop, on récupère des petits gemmes. Et est-ce qu'il y aura un skin à la fin comme d'hab? Bon, ce qui va être cool, c'est que comme d'habitude, hein, quand il y a un nouveau perso, ils en abusent. Et généralement... Oh, elle est stylée en vrai. Je la préfère comme ça. Ouais, je la préfère comme ça, équipée. Et Zuguzo. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une hypercharge gratuite. Mais attends, mais c'est excellent du coup. Attends, tu sais quoi, Juju, je vais la monter niveau max. Et comme ça, dans les boîtes, je pourrais peut-être taper des trucs qui me seront utiles. Tac. Mais ouais, à mon avis, ils l'ont rendu fumé le perso, comme d'hab. Voilà, l'Américain va nous a parlé. C'est quoi ces attaques du coup? Énergie élémentaire, blablabla. Allez, j'irai voir en game. Vous aussi, des fois, vous avez la flemme de lire. Bon, je me dis, en vrai, en game, quand tu joues, t'apprends sur le perso. Et après, je vais être en mode, mais les gars, je comprends pas comment on fait ça, mais c'est comment qu'on l'équipe au mieux? Juste parce que je lis pas et que j'ai la flemme. Allez, on récupère l'hypercharge. Déjà, j'ai une hypercharge, les gars. Attends, il y a une hypercharge sur Penny? J'ai vraiment raté un épisode là. Ok, c'était un plus gros canon du coup. C'est quoi les boîtes d'aide? Attends, j'avoue que je suis paumé là. Ok, il y a 9 trucs dedans. Ouais. Ah, c'est vraiment la boîte de merde. Hein. Alors là, pour le coup, c'était vraiment une boîte éclatée. Et je suppose qu'il y aura peut-être des skins Halloween. Il y a encore 9 trucs, des pièces, ok, what the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte? Allez, ça clignote pas les gars, mince. Ok. Regardez les pièces. 60, 28, 97, 59. Ils vont me faire acheter des boîtes, je les connais. Mais je sais pas ce qu'il y a réellement dans le jeu. J'ai 10, j'ai peut-être un truc que j'ai pas. Oh, j'ai un truc que j'ai pas. Let's go, je voulais l'acheter. Premier duck, je voulais l'acheter les gars. Excellent, il est incroyable ce skin. Ok, donc c'est vraiment les skins Halloween hein, qu'il y a dedans.
par contre. Oh, let's go! Alors, je suis moins fan. Mais vas-y, hein, c'est cool de l'avoir. Ok, encore 9. Oh, les pièces qui pop comme ça, frérot. Il est stylé le tag en vrai. Ok. 13! 13, les gars! Oh, let's go, j'ai un truc! Il est pépite, les gars! Il est pépite! J'ai encore un autre truc! Putain, on peut faire des edits sur TikTok avec la musique à la tête de mort, là. Tu vois quoi? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok, je l'avais jamais vu, lui. Peut-être un nouveau. Allez, encore un truc, s'il te plaît! Non. Ok, ah, elle était pas mal, cette boîte-là! J'ai eu 2 skins dedans. 10. Oh, j'aurais tous les skins, les gars. C'est vraiment tous les skins qu'il y avait dans la boutique. C'est trop bien. Allez, encore du skin, hein. Non, ça ne clignote pas. Ça, c'était une dead boîte. Boîte de la mort. Mais c'est comme ça qu'elle s'appelle, en plus. Ok. Bah attends, mais j'en avais combien, les gars? Pas fait gaffe, en fait. Ok, nul. Ouais, j'en ai combien? Ça fait plaisir, ça. J'avais oublié l'histoire des gadgets. Ah, mais c'est vrai, je veux débloquer des trucs pour le nouveau perso, là. Ok, rien. Merde. Ouais, c'est ça, c'est les boîtes dead. Hop, ça on récupère. Tac. Et du coup, je pourrais potentiellement en acheter... Est-ce qu'on en achèterait pas 10 pour voir un petit peu... niveau des skins, j'avoue que si je tape celui-là... Mais Léon, il a trop des skins de fou furieux, les gars. Je pense que c'est le perso qui a les meilleurs skins. Ça, c'est vraiment de la merde. Hein. Oh, elle est trop stylée, la Shelly. Oh, il a vraiment beaucoup, en fait, des skins. Hein. Vas-y, je vais en racheter des boîtes. Hop, on ira jouer le perso après, les gars. Boum. La fin en vitesse. Hein. Oh, let's go! Un peu Michael Jackson, hein. Fait penser au clip Thriller. Allez, sors-moi du skin! Let's go! Ça fait plaisir. Oh, let's go! Oh, je suis sur Juju en plus! La prochaine attaque principale de Juju a le pouvoir des trois éléments. A le pouvoir des trois éléments? Ah, vraiment pas mal en plus avec le livre là. Je vais équiper. Il est mieux que le skin de base. Hein. Allez, il me faut la Shelly là. Elle est trop stylée en vrai. Stop. Stop. Oui, j'aurais pu l'acheter, mais je veux le beau jeu. En fait, c'est vraiment les boîtes, c'est trop addictif, les gars. Par contre, si j'ai pas plus de skins... Allez, encore. Oh, encore 2 skins. Et c'était la dernière. De toute façon, il me reste 15. Oh là 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 là, c'est terrible. Ça va, il me reste un jour. Il me reste un jour, les gars. Allez, magnifique. Même lui, il est stylé en vrai. Hein. Ok. Bon, bah, place à Juju, hein, de nouveau. On va monter ça. Tac. Du coup, je suppose... Bah, je vais devoir acheter. Alors, Gris-Gris est invoqué avec un bouclier protecteur. Les attaques de Gris-Gris ralentissent également les ennemis pendant une seconde. C'est quoi les attaques de Gris-Gris? Gris-Gris est invoqué avec un bouclier protecteur ou ses attaques qui ralentissent les ennemis. Oh, allez, tiens, je... Les gars, je connais pas le perso, j'achète des trucs au feeling. Hein. La prochaine attaque principale de Juju a le pouvoir des trois éléments. Et là, c'est Juju gagne un boost temporaire selon l'environnement dans lequel elle se trouve. Sol, réduction des dégâts. Herbe, invisibilité. Eau, vitesse de déplacement augmentée. J'ai rien capté. Ah bah oui, il va peut-être falloir que je lise la description du perso, là. Bon, tu sais quoi, je vais utiliser ça, comme ça je dépense pas d'argent. Vas-y, ça, c'est toujours bien. Et le boubou. Et quoi, je vais y aller en mode freestyle, les gars, on va aller tester vite fait. Essayer... Un entraînement. Le truc des éléments, c'est quoi, c'est Avatar ou quoi? Alors... Ah, c'est une lanceuse!
2000. C'est une tourelle. Et du dégât. Oh, c'est un familier en fait. Ah, avec le bouclier, ça peut être pas mal. Du coup, il se protège, genre. Mais par contre, ouais, il ralentit. En fait, c'est vraiment fort. C'est quoi, du coup, ça? Trois éléments. Attends, je vois pas les dégâts que je fais, frérot. Attends, tu peux rester là-bas, s'il te plaît. En fait, là, j'ai un ver de terre, je comprends pas. Comment je change d'élément? Parce que là, j'ai un ver de terre. C'est quoi? C'est genre si je vais dans l'herbe ou dans l'eau? Ah, putain de merde! C'est quoi ce perso de fou? Attends, dans l'eau, du coup, ça fait 1006. Oh, attends, et là, les gars, là, pour le coup, je voulais pas lire, là, je suis obligé de lire. Alors, je suis désolé, vous devez tous le connaître déjà, le perso, parce que vous êtes tous à la page. Mais bon. Spécificité. Ok, d'accord, en fait, c'est juste là. Du coup, quand je suis sur le sol, les dégâts ils sont augmentés. Quand je suis dans l'herbe, j'ai plus de portée. Et quand je suis dans l'eau, je ralentis. En fait, si, c'est simple. Bon, c'est bidon, en fait. Bah, écoute. Go. Et c'est. Attends, c'était quoi déjà l'autre pouvoir star? Ça, c'est un bouclier. Et l'autre truc. Gagne un boost temporaire selon l'environnement dans lequel... Ok, ok, en gros, ça, ça peut mettre réduction des dégâts si je tape... Ok, en gros, je suis invisible pendant une courte durée. Si genre je suis dans l'herbe, j'active mon gadget, je sors de l'herbe, je suis invisible. Dans l'eau, je gagne de la vitesse. Ouais, c'est pas dingue. Ouais. Et l'autre, c'est réduction de dégâts de l'ennemi. Ouais, je préfère limite taper du coup les trois parce que c'est-à-dire que tu ralentis, tu... ouais, c'est meilleur, le gadget que j'ai. Tac. C'est quoi ça? Récupérer les âmes des ennemis éliminés. La première équipe à atteindre 6 âmes remporte le match. Ok. On va faire un peu d'hors-jeu comme d'habitude. Hein. Les amis, vous me connaissez. C'est quand même cool qu'ils sortent vraiment régulièrement des persos, hein, les gars. Le truc, c'est que vu que je les teste tout le temps, je suis toujours à la page, en fait. Ok, là, tu vois, je suis herbe. Là, j'ai une plus grande... Ah, putain, la portée de zinzin, du coup, les gars. La portée de fou quand t'as dans l'herbe, c'est trop stylé. Mais c'est un lanceur hyper polyvalent en fait. Ok. Après c'est un lanceur. C'est un lanceur donc à voir. Je vais... ça augmente pas ma portée de mon petit familier. Enfin, si je mets mon familier là genre. Oh, la portée de fou furieux. Par contre, ouais, la zone, c'est que à l'impact, hein, ça reste pas par terre. Alors, c'est un perso qui est stylé. Ça change encore le gameplay. Est-ce qu'il est fumé? Pour l'instant, je peux pas dire. Il me paraît plutôt classique. Après, c'est les débuts, encore une fois. Hein. Là, c'est juste pour apprendre un petit peu. C'est cool, ils arrivent vraiment toujours à se renouveler. Hein. Par contre, l'ulti, il a l'air vraiment puissant. S'il est protégé, j'ai pas vu, il y a combien de points de vie? Bah, 7000. 7000, c'est les... Mais ouais, c'est les points de vie d'un perso, frère. Attends, non, il y a plus de points de vie que moi? Attends, j'ai pas fait gaffe, je vais re-regarder. C'est ultra ouf, hein, la portée comme ça. C'est un sniper lanceur dans l'herbe. Ouais, il fait du dégât quand même, ouais. Ouais, il fait mal. Ouais, il fait mal. Hein. Il fait très mal. Et du coup, si je fais ça les trois en même temps... Il y a 7200 points de vie, les gars. C'est indécent. Ah ouais, en plus, il ralentit. Oh, c'est insane. C'est insane. Parce que tu peux pas vraiment le one-shot. Je vais aller jouer en survivant solo juste pour voir. Je pense qu'en vrai, t'as les capacités pour... tac. La petite légendaire. Et pourquoi pas le pouvoir star qui me manque? Ah ah, dommage. Je suis content quand même, en vrai, hein. J'aurais voulu l'autre sur Juju. Comme ça, j'avais pas besoin de l'acheter. Du coup, attends. Je vais faire du petit survivant. Hop, c'est quoi la map? Vas-y, je vais tenter. Ça va être plus rapide parce que c'est vrai qu'en hors-jeu, quand tu joues contre des bots, bon. Rompiche. Très, très rompiche.
Tac. Par contre, ça perturbe, hein, ouais, la portée. Ah, mais attends, mais j'avoue, je peux le taper, lui, wesh. Oh là là. C'est un perso, il va falloir jouer fourbe, en fait. Ah, ça fait du dégât, quand même, en plus, hein. Ah ouais, la portée de baise. En fait, ça me perturbe. On n'a pas l'habitude d'avoir une si grosse portée avec un lanceur. J'ai plus la confiance. Pourquoi il m'a pas tué? Il n'y avait plus d'attaque? Attends, mais du coup, là, ah, je me retrouve avec une portée de fou. Oh là 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 là. Il manque un petit peu de vitesse, peut-être, dans le lancer quand c'est à distance. Que c'est super... En fait, la trajectoire s'anticipe de ouf, tu peux l'esquiver, tu vois. Je parle plutôt du 1v1. Si tu joues en 3v3, il y a des fois, c'est tellement le pétard partout que tu calcules pas forcément, tu vois, l'arrivée du truc. Mais en 1v1 pur, tu peux l'esquiver quand même assez facilement. Alors, le perso, il est stylé. Par contre, je pense pas que c'est le meilleur des derniers persos qui sont sortis. Lui, tu vois, en vrai... Alors, je suis en train de le juger quand même assez tôt, parce que c'est mes premières parties. Mais vous le voyez, de toute façon, le potentiel du perso. En réalité, je pense pas qu'il vaille la peine d'être acheté, tu vois. Par contre, c'est vraiment très fort, son ulti. Surtout que le temps que les gens le tuent, tu le récupères, donc tu l'as tout le temps, en fait, je suppose, en vrai game. Ah, mais c'est vrai, il y a l'eau aussi. Ah, ça me perturbe d'aller sur l'eau, c'est incroyable. C'est un perso qui est quand même hyper... En fait, c'est un perso chiant. C'est ça le mot, c'est un perso qui est vraiment chiant. Mais le truc aussi, il va sur l'eau. Mais c'est incroyable. C'est bien, au moins, il va chercher les bottes. Ok. Tac. Ah, j'ai hâte de jouer contre des non-bots. Vraiment, les bots, ils n'ont pas de cerveau, les gars. Le nombre de boîtes qu'il y a, c'est indécent. Je me demande si je devrais pas activer mon gadget direct pour être agressif au début. Merde! J'ai auto-attaque comme un con. Les bots, en fait, ils sont contrôlés pour pas te tuer ou quoi? Genre là, si j'envoie dans le paquet là-bas. Ouais, en vrai, ça a quand même beaucoup de vie, hein, l'ulti. C'est vraiment le terme, c'est un perso qui est casse-couille. Parce que vraiment, c'est en fait ce qui fait sa force, c'est son ulti. C'est une tourelle de Jesse, mais qui se déplace. Ah, qui tire un peu moins vite, mais là, elle ralentit et tout. Et je me demande, le bouclier avec l'autre pouvoir star, c'est un bouclier de combien? Bah, il recharge pas vite, hein, non plus. En fait, en pure attaque, ouais, c'est de la merde. Hop. Ça récupère les boîtes ou pas, ça? Non. Lui, il veut juste se battre. Il veut juste se tartiner la gueule, les gars. Par contre, vu qu'il sait où se cachent les gens, c'est vraiment pas mal pour le déloger en vrai.
Ok, suivant. Comment ça, il y aura plus en plus de persos en fait qui peuvent aller sur l'eau? À l'époque, c'était impossible d'aller sur l'eau. C'est pour ça que ça me perturbe à chaque fois. En fait, instinctivement, j'y vais pas. Hop. Et merci. Tiens, bah, le dernier lanceur en date. Je l'aimais bien en vrai, Berry. J'aime bien le jouer en fait. Le soin, il est cool. Oh, les bots, les gars, c'est vraiment éclaté au sol. Hein. C'est à partir de 100 qu'on commence à jouer avec des vrais joueurs. En vrai, ça va. Brawl Stars, c'est quand même facile de prise en main hein, quand tu testes des persos que t'as jamais joué. En fait, tu t'y fais très vite. Il te faut genre en général deux parties encore. C'est limite si c'est moins, quoi. Ah, mais c'est vrai, je fais moins de dégâts dans l'herbe. Je vais mourir. Les gars, ils sont codés pour pas nous tuer. Hein. Voilà, là, 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 ouais, 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 ouais. Où êtes-vous, les amis? Oh, c'est marrant. Ok, quand t'es dans l'herbe, vraiment, tu peux... Ah, putain, c'est satisfaisant. Allez, 101, les gars. C'est parti, on joue contre des vrais joueurs ou pas? Je suis puni. Toujours pas. Vas-y, je vais aller direct au centre. Je vais me battre. Ça ralentit pas mal en vrai, hein. Le mortis s'est fait casser la gueule par mon petit truc, ma petite marionnette. Allez, mettez-moi des vrais joueurs, s'il vous plaît, que je m'amuse un petit peu, que je découvre vraiment l'étendue du perso. Ah, 6. C'est bon. C'est des vrais persos, là, on est d'accord. Ouais, c'est les vrais persos, gars. Y a un mec qui est AFK là. Il vient de pop que maintenant. Par contre, quand t'as des boîtes, c'est vraiment insane. Hein. Regarde lui. Je vais me mettre dans l'herbe, je vais aller choper. Ouais, il fait vraiment des dégâts là. Hein. J'utilise pas suffisamment comme d'habitude mon gadget. Attends, une fois que je l'active, c'est... Ok, c'est la prochaine attaque. Donc là, je peux me concentrer, genre. Ok. En vrai, en 1v1, tu peux quand même te débrouiller, ta vie tombe
facilement, mais... En fait, c'est dès que t'as ton ult. Hein. En fait, l'ult, il me couvrait tout. Hein. Il s'est fait démonter par mon ult. Mon petit gris-gris. Attends, mais en général, quand j'ai des nouveaux persos, je les monte à 500 trophées. Mais attends, 500 trophées, c'est nul ou pas? Je suis en train de penser à ça parce que bah c'est nouveau ça aussi. Putain, il a tout pris, je suis dégoûté. Il veut me jouer absolument lui. Ah, il fait. En fait, je fais du dégât aussi. Je disais que ça faisait pas de dégâts, ça fait quand même du dégât. Ouais. Je vais chercher ça en bas. Dommage. T'as le seum, frérot. Par contre, à 11, il va falloir que je m'écarte un peu. J'ai envie de garder ma série quand même pour remonter vite. Ah, c'est trop fort ce perso, frère. Le Kenji, c'est vraiment fumé, hein. Dommage, je voulais le ralentir avec mon ult, m'écarter un petit peu. Mon plan était tout construit dans ma tête, mais le mec avait 14. Pas grave. Bah, de toute façon, c'est le perso le plus fumé. Frère, Kenji, c'est vraiment trop fort. Hein. Alors, je sais pas s'il y a eu une balance récemment, genre s'il était nerf ou pas. Mais... Bah, il reste encore fort, hein, on l'a vu, là. Hein. Il y a eu 14, le mec. Il a tué tout le monde. Ah ouais, si, ça fait du dégât, en fait. Hein. Je m'en rendais pas compte, mais 2000, en fait, c'est énorme. Même, hey, attends, mais même le gadget, c'est trop fort parce que tu ralentis. Oh, y a moyen de faire mal, en fait. Hein. Tu gardes tes 3 attaques, tu gadgets, tu le ralentis, après, baba, tu renvoies 2 attaques. En fait, si, c'est très bon, hein. Oh là là, t'as vu ça? Je l'ai envoyé, mais une Pokéball! J'en étais sûr qu'il y avait le chat. Boum! Je savais que t'étais là, frérot. Ouais, en vrai, il est fort. En vrai, il est très fort. Et tout à l'heure, contre Kenji, j'avais plus de gadgets, si. En fait, j'aurais pu le ralentir et partir. Je sais plus si j'avais encore des gadgets. En fait, là, pour le coup, ce perso, il va m'apprendre à utiliser mon gadget H1K parce que c'est vraiment trop fort. Ok, on récupère ça. On va au centre. T'as le seum, hein? Hein, t'as le seum? J'ai peur qu'il y ait quelqu'un, là. Ok, il y a ça de pair. Je vais essayer de ralentir quelqu'un. Oh, toi, t'es mort.
Dommage. Ouais. Faut quand même que je fasse gaffe, hein. Ça reste quand même relativement fragile. Hop, c'est pas grave, 170. N'empêche que 6900. Oh, il y a les deux skins chez lui là. Attends, mais ils m'ont mis contre des bots là, sérieux? J'ai fait quatrième, c'est bon, c'était pas la fin du monde. Brawl Stars, ils croient vraiment que je suis en galère en fait. Ils se disent, bon, allez. On le remet contre des bots, celui-là, il y a un peu de mal. J'aurais tapé une barre si j'étais mort. J'aurais eu le seum en vrai, hein, mais j'aurais tapé une barre. Putain, ouais, en fait, c'est fort quand tu touches. La zone d'explosion, en fait, elle est quand même relativement grosse, hein. C'est cool, ça. C'est qui comme perso? Ah, c'était Shelly, justement. Je suis déjà pas lié 10, frère, à 185. Ah, ça a complètement changé. Est-ce que c'est devenu plus facile, du coup, pour les moins bons? Ok, je vais aller direct au centre. Mais tu vois, genre là, j'oublie que je peux aller sur l'eau, putain. C'est à moi, frérot. Enfin, il faut que je recharge mon ult, là. Je me suis fait peur, lui aussi s'est fait peur. Voilà, le mec il fonçait partout, il savait plus quoi faire. Non, il est pas mal. En plus, moi de base, j'aime bien les lanceurs. Je trouve ça satisfaisant à jouer. Après, je vais partir hors jeu, les gars. Je vais le rejouer hors jeu pour voir un petit peu le jeu d'équipe. Parce que bon, en vrai, là, ça, je me débrouille parce que c'est bas level, tu vois, en survivant. Mais en vrai, je pense que c'est plus un... Oh, mais merde. Putain, quel con. Ah bah ouais, j'avais envoyé toutes mes attaques et il est mort en plus. Putain, merde, j'ai niqué ma série, je suis dégoûté. Ah mais attends, mais j'ai des étoiles à récupérer là aussi. Je suis bête en fait. J'aurais dû faire ça avant d'utiliser mes gold. Après j'ai tellement de gold. Ouais, pas dingue hein. J'avais masse truc en vrai. À chaque fois je me dis il faut que je fasse en vidéo. Du coup je récupère jamais. Ok. Y a quoi d'autre comme mode du coup? En duel non. Razia Gem. Razia Gem, ça peut être pas mal. Ça peut être un perso vraiment chiant. Brawl Ball. Qu'importe les persos, je suis toujours nul et à chaque fois j'ai pas envie de le lancer. Bon bah on va lancer hors jeu hein. Alors, vu que j'ai perdu, peut-être que je serai contre des bots là la première. Et je suis... Non, je suis pas contre des bots, on m'a dit qu'ils avaient pas de rang. Enfin de, tu sais, des petites phrases là en dessous.
Oh, j'aime bien, là, c'est un baby shark, frérot. Il y a moyen de pré-shoot de baiser en fait. Il y a moyen de pré-shoot de baiser en fait. Parce que oui, il peut esquiver, mais vu qu'il y a des trucs de partout, comme je le disais tout à l'heure. Je pense qu'à haut level, il peut être cool ce perso. Ça peut vraiment être un perso de 3v3. Pas mal cette map en plus. Elle s'y prête bien en fait. Merde! Oh l'esquive! Oh l'esquive de porc que j'ai fait! Ralentis-le, ralentis-le, ralentis-le! Je fais pas suffisamment gaffe à ma vie. En vrai, là, je suis mort bêtement. J'ai trop l'habitude des persos qui regagnent de la vie avec le gadget ou des trucs comme ça. Mais attends, mais on est en train de s'auto-kill là avec l'autre là. T'es mort. J'sais pas pourquoi j'ai utilisé mon gadget. Des fois je fais des moves mais moi je les comprends pas. Par contre c'était pas mal ce que j'ai fait là. Ça tire de loin en plus, hein. L'ult. Je suis content de gagner à 200, les gars. Yes! On n'a pas fait le taf, nous. Ça fait déjà 40 minutes, les gars, que j'ai lancé. 40 minutes. C'est quand même une dinguerie. Et bah, je pense qu'avec Periado, je jouerai ce perso. Comme ça, on va parler ensemble. Et puis je jouerai le perso et je vais remonter un petit peu. Oh ce! Par contre je les bait de baiser. Ouais. Bah, là par contre je suis dans la merde. Quoique, quoique, quoique. Pas forcément. Et voilà, pas forcément. Pas de chance, t'es jamais en 1v3. T'es en 2v3 avec ton ulti. Ah oh là là, vous avez vu le tic, comment je l'ai envoyé en enfer. Ouais, oh, il est trop fort. Dans ce mode, il est trop fort. Trop fort, gros. C'est un perso qui s'adapte à toute situation. Avec des outsiders en plus, merci. Donnez-moi encore plus de trophées. C'est quoi les trophées max, du coup, maintenant, avec toutes ces mises à jour, là? C'est encore 100 000? Ou ça a baissé ou ça a monté? Ça a dû baisser, du coup. Je lui ai envoyé une praline, frérot. Dommage. Je
Ok, j'ai mon ult direct. Trop fort. Trop fort. Point faible, trop fort. C'est... Ouais, dans ce mode-là, ouais, c'est hyper, hyper solide. Enfin, surtout, en fait, après, ça dépend de la map. Mais là, la map, j'ai l'impression qu'ils l'ont sorti juste pour ce perso. En fait, faut envoyer tes trois pralines d'un coup. Si tu touches un mec, il prend cher. Dans ton cerveau! Balance son ulti, frérot. Oh là là! Ah, je l'ai pas touché sur le ralentissement, merde. Par contre, c'est facilement esquivable, hein, les trucs de mon ult. Ok. Ah, j'étais avec deux dynamites, j'ai même pas fait gaffe. 250. Ah, je me suis fait avoir une fois bêtement. Avec le mortis, là. Dommage. En fait, c'est dommage que je puisse pas soigner mon petit frérot là, parce que quand il est low life, bah il est low life en fait. Ouais, putain, il est agressif hein, quand même, mon perso, en vrai. Hein. T'as du mal à esquiver. J'aime bien. Une note sur 10. Vu que là, ça fait bien 40 minutes que je le joue, je dirais... Je mettrais un 7,5 sur 10. En fait, j'aime bien, c'est sa polyvalence. C'est vraiment pas mal. Ça change des autres qui étaient pour le coup vraiment bourrin ou soigneur. Tu sais, le Berry était beaucoup soigneur. Et les autres étaient bourrins. En vrai, tous les autres étaient giga bourrins. C'est que des persos qui sont giga forts dès le début. Là, c'est... Alors, c'est fort. Mais je trouve pas ça fumé, en fait. Ça dépend comment tu le joues. Si tu le joues bien, c'est fumé. Par contre, si tu sais pas jouer, frère, il est pas si fumé, hein.
Alors encore une fois, c'est des paroles de mec qui a 250 trophées là. Peut-être que mon discours changera la prochaine fois, mais pour l'instant c'est... Bon, c'est le ressenti que j'ai. Trop fort. Tu peux les repousser dans leur camp. Et ensuite, bah, t'as juste à balancer tes trucs. C'est pour ça que j'aurais une montée là, j'aurais une montée de trophée là. Mais. On va jouer 2 heures, les gars. C'est un perso quoi? C'est un mythique? C'est rouge, hein. J'ai tenté un truc. Ça a marché. J'ai tenté d'être ultra, ultra aggro. En fait, ils sont toujours ici. Là, ils vont bouger, hein, forcément. Oh, merde. Bah ouais, frérot, on ralentit, nous. J'ai envoyé une cartouche, l'autre. Et voilà, bisous, suivant. Hop, un petit 300 TR. Quand même le seul mec qui est content d'être à 300 trophées, les gars. C'est censé être le... Allez, les trophées où c'est un peu chiant, tu dois monter, c'est pas hyper dur. Bon, en vrai, moi j'aime bien, je m'amuse. Tant que j'ai passé l'étape des bots... Est mort, tu le sais. Je le savais, le pouvoir de la feuille. Alors, je vais refaire la même. Ah, ils sont tous là. Faire attention parce que la souris elle fait vite mal en fait. Allez, hop, on continue sur notre lancée. Mais ça relance, j'ai des coupings. J'ai des coupings. Non, tu vas pas me dire que là c'est des bots. Pourquoi ce serait des bots? Je pense pas que c'est des bots. Les bots, ils nous auraient foncé dessus direct. Mais mec, mais c'est fumé en fait, hein, parce que la map, quand tu la connais, en fait, les gens ils se déplacent toujours dans les mêmes lignes. Tu peux pré-shoot de fou en fait. C'est pas du skill, c'est pas tes forts. C'est juste tu l'as joué la map et du coup c'est du pré-shoot, tu sais où les gens vont. Et souvent c'est sur la première manche que tu peux les surprendre. Regarde, là ils vont être peut-être paqués. Et je vais balancer mon gadget, je vais les ralentir, là je balance la sauce. Regarde. On va voir. Tac. Ah, il a tiré, ah bah non, ok. Ça a pas du tout marché. C'est bien resté dans son camp. Oh non, je suis mort. Non? Ok, non, ça va. Ça a pas du tout marché, les gars. Hein. Comme par hasard, hein, je dis ça, c'est la première fois que ça ils avancent pas. Ah, mais il est là, lui. Allez, bisous. On va faire la même du coup, un à gauche, un à droite, un au centre, ouais. Ah non, les... ok, il y en a deux ici. Et merde.
Ok, je vais attendre un petit peu. Putain, il a réussi à survivre, hein, l'autre. Voilà. Non, 332. Bah, on aura fait encore une bonne découverte, hein. J'adore. C'est vraiment les vidéos les plus chill à tourner, les gars. Je découvre. J'aime. En fait, quand tu joues à un nouveau perso, tu kiffes forcément. Même quand t'aimes moins le perso. Vu que le gameplay change un petit peu, tu découvres. Je kiffe ces moments à chaque fois. Parce que là, ça fait ce que j'ai dit. Merde, putain, mais qu'est-ce que je branle? Je suis trop con. Non, mais les gars, là j'ai regardé là où je tirais. J'ai pas regardé mon perso, il était où? Je suis trop bête. Ah, mais il y en a en face. Il y a une Jujufil 4. Bah, soin toi là. Tu te prends une praline, t'es mort. Par contre, contre Jesse, ouais. Jesse, ça se défend bien quand même. Ouais, c'est fini. Le ralentissement, c'est très fort. Hein. Très très fort, hein, le ralentissement. Bon, je vais faire attention cette fois-ci. Voilà, on fait un peu de clean. Je vais envoyer tout lui. Ah putain, ça donne un boubou à toi en fait. Ça donne pas un boubou à ton truc. Il joue le boubou lui. En vrai, c'est peut-être le meilleur parce que... Ouais, je pense que c'est le meilleur. Parce que l'ulti, t'as du mal à... Il y a du mal à toucher. Ça fait des dégâts et tout, hein. Et quand ça fait des dégâts, ça ralentit, mais il y a du mal, j'ai l'impression, à toucher. Allez, Zoubi. C'est qui les plus forts? C'est nous. J'ai l'impression que c'est un peu plus facile qu'avant, non? Les bas level comme ça. C'est une impression ou... Parce que même en testant des persos qui des fois étaient cheatés, on perdait, non? Je sais plus. Je les ai arrachés. T'as littéralement aucune chance. En fait, lanceur contre lanceur, t'as aucune chance contre lui. Tu te mets dans l'herbe et tu... Bah, tu flingues tout le monde. Hein. Bah, tu vois, il l'a touché, mais... C'est pas aussi tueur que ça en a l'air. Par contre, on fait un carnage avec cette team depuis tout à l'heure. J'ai juste envie, c'est d'enchaîner, les gars. Non, en vrai, si je suis vers les 400 trophées, ça va. Je pense qu'on aura battu un record. Parce qu'à chaque fois, en général, quoi, quand on finit un nouveau perso, on est à 300, même pas. T'es mort, frérot. Oh merde. Bisous.
merde, on a eu personne là, c'est chiant. Non, il m'a eu dit aussi loin, sérieux? Il allait mourir en plus, j'allais poser mon ult. Tiens, la vengeance. Genre, tu m'as eu d'ici, frère, arrête. Je suis mort, c'est la première fois, les gars, que je meurs aux deux manches. Bon, normalement, ils l'ont easy, hein, surtout que la map là, elle est cassée. Ouais, vous devez l'avoir, les gars. Juste tempo. Bah, elle rétrécit quand la map. Ah, c'est bon. Voilà. Aussi simple que ça, frérot. Là, je suis vraiment avec mes potes, les gars. Hein. C'est que des fois, je me dis, vas-y, je fais 2-3 games. Dès la première game, je tombe avec des gars qui relancent 3 fois. Je me dis, je peux pas les abandonner. Ça vous fait pas ça, vous, des fois? Et du coup, je joue 20 games, des fois. Oh, ils nous push, eux, hein. Oh, bien joué l'esquive. Très très bien joué. Ouh là 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 là. Je ne vois pas comment je peux m'en sortir là. Non. Oh, putain, j'ai utilisé le gadget. J'ai appuyé dessus, ça a pas appuyé. Mais si, ça a appuyé, putain, merde. Voilà, la vengeance. Ah, faut moins être bourrin là, j'ai l'impression. Les joueurs commencent à avoir un petit level. Ok, nice. C'est juste fait une petite frayeur, c'est tout. Merde! Je voulais la voir. Oh, assez fort quand même quand il se fait toucher, hein. Je te mets un copain, toi. Voilà! On était les chercher au spawn. Allez, les 400 TR, les gars. Allez, j'adore. Franchement, je vous le dis, j'adore, en fait. C'est pas 7,5, je lui mets 8,5. Il est satisfaisant à jouer comme perso. Je l'ai puni, le Léon. Peu. J'ai mis une double tapette, là. Oh, je suis démoniaque. C'est trop fort, hein. Le pouvoir que je préfère, c'est l'herbe. Mec, vraiment, le sniping comme ça de
Quand tu balances un truc de loin, c'est trop fort. 6-0, bam. Je les ai démolis. C'est vrai que là, je suis en mode, j'ai l'impression que je suis plus en vidéo. Je te jure, là, je suis dans une boucle. J'ai besoin de ma dose Brawl Stars. C'est coriace là en face. Hein. Alors qu'on en tape un en fait. Let's go. Et de 1. J'ai failli tomber. Foiré. Je voulais le ralentir et le tartiner. Bien joué, hein. Ouais, c'est un peu plus fort, là. Hein. Je parle pas trop parce que je suis concentré. J'ai pas envie de la lose. La bagarre là-bas, hein. Non. Bien wesh. Rien à dire, bien wesh. Ah, première vraie défaite en vrai, hein. Pas fini, mais ouais, si c'est fini. 2-0 en plus, hein. Waouh. Ils avaient une bonne team, hein. Ah ouais. Bon, une petite dernière, comme ça je monte à 400 et... Et on clôture ça? Et là, je me reprends une défaite, et une défaite, et une défaite. Ah, ils étaient bons, ils étaient bons. Step up or step out. Ça s'est joué à un détail sur la toute première. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se fait surprendre comme ça là? C'est quoi? Je vais garder ça au cas où. Elle va faire la même, hein, la Lily. Merde, putain, je suis con. Je croyais que c'était un vrai, moi. Ok. Peut-être arrivé dans ce moment où j'ai trop joué. C'est toujours une période où ça y est, t'as trop joué, du coup tu joues différemment. Ok, elle était là. Ok, le Léon. C'est bon, plus de peur que de mal, les gars. Voilà. Merci, mon gars. 402 les gars, et c'est sur ce qu'on va se laisser. C'était vraiment pas mal. J'ai vraiment kiffé le perso. Et plus je joue, plus je le kiffe. Donc, ah mais attends, mais c'est quoi ça? Ah bah écoute, ça les gars, je sais pas ce que c'est. Je demanderai à Periado, puisque la prochaine session, lundi les amis, je vais être avec le frérot, ça fait plaisir. Parce que franchement, je suis un peu fan. Non mais je suis pas fan, mais en fait c'est le seul youtubeur que je regarde Brawl Stars, enfin l'un des seuls, avec mon gars Gas et RZM. Mais en vrai je regarde même pas Gas et RZM, je tombe des fois sur des TikTok, mais ouais, pour le coup sur YouTube je regarde que Periado, et de temps en temps, professeur, faudrait que je refasse une petite session avec. J'espère que vous avez kiffé, c'est le cas, n'oublie pas comme d'habitude les petits pouces, les abonnements et les commentaires, on se dit à la prochaine, ciao tout le monde.